Ça, là, c'est une photo d'elle pis moi. Mon premier amour. Sur la photo, on a à peu près 17 ans. Oh, méchant pétard. Ah, pis fine à part ça, hein. C'était comme un peu Mère Teresa, mais avec le corps de Claudia Schiffer. Ça, c'est elle qui avait approché pour devenir mannequin. Ben oui. Pis à la place, elle préférait devenir médecin pour aller soigner les petits Africains. Ben, d'une manière ou d'une autre, ça voulait dire qu'elle s'en irait, hein. Moi, je me souviens d'ailleurs du dernier soir, on avait fait l'amour. C'était notre première fois avec les deux. On n'avait pas dormi de la nuit. Puis le lendemain matin, on s'était levé pour aller voir le soleil se lever. Puis cette fois-là, on s'était promis là, que peu importe ce qui arriverait, on serait encore ensemble un jour. Je suis en train de te faire pleurer, j'espère. Là. Ah non, 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 une poussière dans l'œil. Voyez ça dans l'œil. Là, ben, dans les 23 dernières années, elle a fait le tour du monde plusieurs fois. Comme là, elle travaille dans le Grand Nord, elle soigne les Inuits. Puis, tu sais quoi? Aujourd'hui, là, elle est à Montréal. Elle a même suggéré qu'on se rencontre. Hé, ça va te faire drôle après 23 ans? Ben écoute, moi, je tiens un peu en place. Hein. J'ai même offert de passer la semaine chez nous. C'est comme si on avait encore une chance de réaliser ce qu'on avait promis d'être encore ensemble. Là, je te préviens, Denis, là, à ton âge, un deuxième mariage, c'est souvent pour la vie. Hein. Parce que c'est le bon? Non, non, c'est quand tu te tannes, t'es rendu trop vieux pour pogner, tu sais. Moi, pis, peut-être que j'ai le goût de construire quelque chose de solide avec quelqu'un, finalement. Denis, on dirait depuis tes enfants sont venus, je sais pas, mais on dirait que tu réfléchis. Tu me fais peur, Denis. Mais quoi, tu t'en poses jamais des questions, toi? Hein? C'est quoi tes valeurs, toi, Germain? Hein? Bon, disons, tu croirais une émission de Claire Lamarche aujourd'hui. Bon, Nicolas, ça te dérange pas de dormir dans le salon, hein? Tu sais, le fait que ta chambre soit juste à côté de la mienne, je voudrais pas que tu sois dérangé par les gémissements. Non, non, ça va. T'as l'air inquiet. Mais écoute, je t'inquiète, je pense à elle. Elle était déjà toute petite quand t'étais jeune. Puis en Afrique, comme ça, je suis pas sûr qu'elle mangeait à sa fin tous les jours, pauvre petite. Mais là, t'es sûr que ça vaut la peine qu'on reste ici? Ben oui. Tu vas pas encore me décevoir en nous présentant une autre pitoune, là? Mélanie, je te défends de dire ça. D'abord, c'est pas une pitoune, c'est une femme puis une vraie, OK? Bon, parlant de pitoune, là, il y a une certaine Joanne qui a laissé un message. Tu l'as-tu rappelé? Plus besoin. Mon Dieu, ça doit être elle, ça. Mon Dieu, tu devrais peut-être aller répondre. Bon, bon, OK. Vous êtes prêts, non? Non, ça va. Ça va donner un grand coup, OK? Non. T'as quasiment pas changé! Toi non plus! T'avoue, Nico! Oh! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien, là. Je suis en train de regretter de ne pas avoir acheté un aide-bed. T'as dormi là. Mm. C'est drôle, moi, j'étais sûre que tu profiterais de la nuit pour replonger dans ton passé. On brusquera pas les choses non plus, là. Hein? En quoi tu crois, Germain? C'est quoi tes valeurs? Parler de la vie, de l'amour, du destin puis de la mort, faut-tu être limité? Ding dong! Ouais? Bonjour, monsieur. Je faisais juste passer pour vous demander ce que vous pensiez des valeurs qui régissent la vie d'aujourd'hui. La vôtre plus particulièrement. Ma foi du bon Dieu, j'ai tout ça décrit dans le fond, moi! Écoutez, si je tombe mal, je peux repasser une autre fois et simplement vous laisser notre revue en attendant. Êtes-vous un témoin de Jéhovah, vous? Ça juste parce qu'il est 8h15 du matin, vous? Tu réponds-tu? C'est sûrement l'école. OK, t'es supposé d'être là, c'est ça? OK. S'il te plaît, laisse sonner, OK? Non, mais c'est parce qu'ils vont rappeler que ton père va finir par le savoir, de toute façon. Ah oui, mais pas aujourd'hui, là. Il fait trop beau pour mourir, hein? Oui, mais Mélanie, dans la vie, là, vient un temps où il faut faire face aux problèmes puis les régler. Non, pitié! Ah.
Oui, allô? Oui, je suis Mme Charest, oui. Mélanie s'est pas présentée à son cours ce matin. Ah? Non, je suis au courant. Ben oui, c'est parce que, voyez-vous, sa grand-mère est morte, puis... Pardon? C'est sa troisième cette année. oui, mais monsieur, c'est ça, les familles reconstituées, hein? On est toujours rendus au salon mortuaire. Mais par contre, le beau côté, c'est qu'on rencontre du nouveau monde à tous les jours, puis ça, juste en allant de la cuisine au salon, hein? Pardon? On est combien chez nous? C'est jamais pareil, hein, parce que... Quand on reçoit de la visite, même à la fin de la soirée, on se demande tout le temps qui est-ce qui doit partir et qui est-ce qui doit rester. OK. Là, Gilbert, tu m'as expliqué tout à l'heure que Dieu avait fait l'homme à son image. Mais c'est pas bien ben précis, ça. Mais dans quel sens? Ben, regarde. Mettons Cindy Crawford puis Jean Chrétien. Il y a une méchante marge, je vais te dire une affaire. Joanne, oui, c'est Denis. Oui, je sais, je t'ai pas appelé beaucoup. Récemment, j'étais bien occupé. Ouais. Non, je peux pas me passer de toi, c'est pas ça. Bonjour, est-ce que Denis Charest est là? Ben oui, il est juste... Ben voyons, ce qu'il est rendu. C'est à quel propos? Je suis juste passé 2 minutes pour voir où il travaillait. Oui, mais vous êtes qui? Ben, disons que je suis son amour de jeunesse. Ah! Mais ça doit faire longtemps, d'abord, hein, sa jeunesse. On sait jamais ce que le destin nous réserve, hein? J'habite avec lui en ce moment. Ah bon? Il vous a jamais parlé d'une Ève à qui il écrivait des lettres passionnées à l'époque? Non. Des lettres, entre autres, où il disait à l'époque la seule raison pour laquelle le bon Dieu lui avait donné des bras, c'était pour m'enlacer. Que la seule raison pour laquelle le bon Dieu lui avait donné des mains, c'était pour me caresser. Regarde donc! Et que la seule raison pour laquelle le bon Dieu lui avait donné des doigts, c'était pour... Du crayon! Bon. Il y avait roulé autour de la table. Ah, salut, Ève! Qu'est-ce qu'il y a, Gilbert? T'es-tu tanné? Non! Ah non, c'est pas ça du tout, non. Mais c'est simplement que ça fait quand même plusieurs heures là, que je suis ici, puis faudrait peut-être que j'aille. Non, toi, tu bouges pas d'être là. Moi, je suis en pleine recherche existentielle, je suis susceptible au bourrage de crâne, puis toi, t'es un témoin de Jéhovah, fait que prends tes responsabilités! En tout cas, Ève, ça a l'air d'être une femme formidable. Pour moi, Denis, tu resteras pas célibataire longtemps. Mon Dieu! Les gars sont tellement superficiels. Il suffit qu'une fille ait sauvé la vie d'une couple de milliers de lépreux pour que ça vous impressionne. Quelqu'un qui consacre sa vie au bonheur de l'humanité, ça t'impressionne pas, ça, toi? Oui, c'est sûr. Mais par contre, as-tu vu comment elle étend son bloche? C'était l'enfer, en tout cas. Et puis, je me souviens d'une nuit où j'avais été pognée pour me rendre en jeep à l'hôpital le plus proche, 350 kilomètres. Je conduisais en pleine brousse, toi, en réparant une fracture d'une main, puis en faisant une césarienne de l'autre. Puis t'arrivais à conduire? Oui, j'avais pas de mérite, je me faisais aider. Écoute, le gars de la fracture, là, il mordait dans le volant pour pas crier. Puis la fille qui accouchait, là, ben, elle tenait le bras de vitesse, fait que ça chiffetait à chaque contraction. Mais tu t'ennuyais pas des fois? Je sais pas, du soir, mettons. Ah, ben mon Dieu, j'ai pas eu le temps, écoute. Pendant 8 ans, ils m'ont pris pour la déesse de la fécondité. Fait que pour aller me coucher, là, fallait que je tasse les guerriers le soir qui faisaient la ligne devant ma hutte. Hein? Franchement, hein? Ben quoi? Y a pas de TV dans la brousse, là. Faut bien que t'occupes tes soirées. Bon, ben, on devrait peut-être dégarnir la table, là. Ah, oh, ben, on débarrasse du salon aussi, en même temps. Mais pourquoi? Ta couverte est encore tout en mouton sur le sofa. On la met-tu dans le linge sale ou tu vas encore en avoir besoin ce soir? Mais non, on n'est pas rendu là, là. On peut commencer par dégainer la table, hein? Gilbert! Ah, comment est-ce qu'il va, mon témoin de Jéhovah préféré? Ouais, non, je sais que 7h30 du matin, c'est un petit peu de bonheur pour appeler chez le monde, là. Il y a une question qui me trotte dans la tête depuis hier soir.
Votre revue, là, tour de garde, là, t'économises-tu pour la peine si tu t'abonnes à l'année? Ça? Moi, j'ai rendez-vous avec un ami. Comment ça? Ben là, Denis, t'es quand même pas la seule personne que je connais à Montréal. C'est qui, ce gars-là? Oh, c'est un ami que j'ai connu en Afrique, puis il a immigré ici. Ah, c'est comme pour l'aider à s'installer, finalement. C'est vrai que ça doit pas être évident quand tu débarques à Montréal la première fois, là. Non, c'est pas tout à fait ça, non. Lui, il est allé étudier aux États-Unis grâce à une bourse d'athlétisme, parce que c'est un champion en décathlon. Imagine-toi donc qu'il est revenu ici, il est chef d'un département de recherche en médecine génétique. Qu'est-ce qu'il te veut? Il s'ennuie du temps, ce qu'il faisait à la ligne devant ta hutte? Oh, franchement, Denis. Non, non, mais je trouve ça plate. J'avais prévu qu'on passe du temps ensemble, puis même organiser des affaires, mais là... En tout cas, c'est pas grave. Oui, mais comment ça, là? Moi, mais tu disais bien, t'imaginais que j'allais changer quelque chose à mon horaire, étant donné que t'étais chez nous, hein? Ben, justement, fait que je me suis dit que tu serais pas ici de la journée. Ben. M'excuse. Il faut que tu me comprennes. Je suis 23 ans sans te voir, puis à un moment donné, tu débarques, puis je me retrouve devant une grosse... Une grosse dose d'émotion. Ouais, c'est ça. Là, j'avais pensé peut-être qu'à soir, on pourrait peut-être souper ensemble les deux. Seuls les deux. Germain? Ben, il est pas là. Non, je le sais, c'est toi que je suis venu voir. T'es cultivé, toi, tu dois connaître ça, la Bible. Un peu, ouais. Bon, c'est parce que là, je suis en quête de spiritualité de ce temps-là. Et je me questionne sur mes valeurs, tu sais. J'ai un ami à qui je pose des questions, mais là, depuis ce matin, il retourne aucun de mes 14 appels. Je pense qu'il me fuit. Mais tes questions, c'est-tu sur l'Ancien ou sur le Nouveau Testament? Dis-moi pas qu'ils en ont sorti un nouveau. Oui, mais ça fait un petit bout de temps. Y es-tu meilleur que le premier ou? Ben, disons qu'il est prévisible, hein? Le gars meurt à la fin. Mais oui, mais Nicolas, dis-moi le pas, là. Oh. Jamais là. Salut, Romain. Hé, hey, Denis, comment ça va? Puis, t'as-tu revu ton amour de jeunesse? Es-tu toujours aussi remarquable? Mais disons que je fais pas manquer. T'as l'air trop enthousiaste, mon Denis. T'sais, tu m'avais pas dit que c'était Mère Teresa dans le corps de Claudia Schiffer? Ouais, mais disons que là, ils ont l'air d'une gang qui vivent dans le corps de Claudia Schiffer. Elle a engraissé un peu? Un peu, oui. Mais le reste... Quel reste? Mais tu m'as dit qu'elle était pleine de belles qualités. Ah ouais, elle est intelligente, gentille, courtoise, pleine de personnalité, puis les enfants l'adorent. Une petite fête, mon Germain. Ah ouais, donc. Mais c'est quoi le drame, d'abord, Denis? Écoute, Germain, c'est comme si, toute ma vie, j'avais cherché la femme idéale, je l'ai trouvée au Club Price, mais en format familial. Là, tu serais-tu en train de remettre en question tous tes projets de retrouvailles puis de finir tes jours avec elle? Germain, t'as pas compris. Elle est rendue dodue. OK, puis si elle était mince, je veux dire, si elle était exactement pareil, là, mais plus maigre... Ah, ça serait la femme idéale. T'es en train de passer à côté de la chance de ta vie à cause de tes préjugés. Mais c'est pas à cause de mes préjugés, c'est à cause des préjugés des autres. Si je me promène sur la rue avec ça, le monde va penser que je suis pas une pue, moi. Oh! Je m'excuse, Denis Charrette, là, mais là, je suis pas d'accord. Hein? C'est qui remet en question mon système de valeurs à moi, là? Toi, c'est quoi le tien, hein? Non, tu réagis comme un trou de cul, là. Hein? Tu vas pas commencer à me faire la morale, toi, là? Je ne peux que m'opposer à ta façon de faire, Denis. D'ailleurs, j'ai un nouvel ami que je pourrais te présenter. Il serait très bien capable de te signifier où est-ce que t'as tort. Ah ouais? Pourquoi? Il est gros? Ah non, il est témoin de Jéhovah. C'est en plein le genre de gars qui pourrait aller réveiller ta conscience bien de bonne heure un samedi matin. T'as-tu imaginé ça, toi, elle pis moi, au lit? T'as juste à t'acheter un leaking? On va me coucher où, moi? Denis, tu me manques quelque chose. Au niveau de la couchette, toujours. Hein? Oui. Ah, mais observer ça, t'es une fille dodue en train de manger, je veux dire, observer attentivement, là. Qu'est-ce que tu veux dire? La sensualité puis la passion des filles grossouillettes, c'est le secret le mieux gardé au monde. Ah ouais? Juste savoir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire quand ils mangent un dessert, là. Moi, ça me donne juste le goût de me réincarner en crime pof. Quoi? Oui, monsieur. Faire l'amour avec une fille dodue, c'est se sentir désiré comme une poche de riz qui serait parachutée en Éthiopie pendant une famine.
Là, t'as déjà vécu ça, toi? Oui. En Éthiopie? Ben non. Elle s'appelait Francine, laisse-moi te dire qu'elle tabacait sans cibole, puis depuis que je l'ai connue, là, j'ai tout compris. T'as compris quoi? J'ai compris que baiser avec ces filles-là, Denis, c'est découvrir l'abondance, la générosité, puis il n'y a jamais de demi-mesure. C'est comme si t'étais à un buffet où il y a des cuisses, puis des poitrines, puis des cuisses, puis des poitrines, puis des cuisses, puis des poitrines. Puis il manque jamais de rien. Je te dis, quand tu retournes au lit avec une fille mince, après, là, c'est comme si ton souper, c'était deux feuilles de laitue avec un petit bout de tofu. Hein, ça? Denis, faire l'amour avec une fille grossouillette, c'est une expérience grandiose. C'est comme si t'étais habitué d'aller à la pêche en chaloupe, là. Puis là, tout d'un coup, tu y vas en paquebot. C'est vrai que vu de même, là, c'est... Pis c'est comme voyager aussi, Denis. Tu sais, quand tu l'enlaces avec tes bras, là. C'est comme si tes deux bras faisaient le tour de la Gaspésie. Quand tu l'embrasses, ses deux joues, là, c'est comme s'il y avait un fuseau horaire entre chaque bec. Là. Puis sa poitrine, là, entre ses seins, c'est pas une craque, ce Denis, non. C'est un grand canyon. C'est tellement profond là, qu'il y a de l'écho dans le décolleté. Écoute, t'as vraiment eu de l'air à aimer ça. Hein? J'ai aimé ça. C'est quoi ta partie préférée du corps féminin, Denis? L'intelligence puis la personnalité. Là, Denis, on est entre gars, là. J'ai les fesses pis les tâtons. Bon. Ben, quand t'es avec une fille comme ça, là, des fesses pis des tâtons, il y en a partout! Il y a des morceaux après ces filles-là là, qui viennent même pas en option, ces filles minces. Ben non, je te le dis, Denis, si jamais t'as la chance, là, manque pas ton coup, tu regretteras rien. Ben, il y a peut-être une chose. Ah ouais, quoi? Tu vas regretter de pas avoir une troisième main. Oh, arrête! Eve? Quoi? À quoi tu penses quand tu me vois danser comme ça? Ben, je me dis curieusement que ça se dansait plus avec les mains que les pieds, un slow. Comment, tu me trouvais pas bon danseur? Ben, c'est parce que des fois, j'aurais aimé ça que tu tournes dans l'autre sens. Eve? Quoi? Je suis content qu'on soit ensemble. Moi aussi, Denis. Puis, je me suis aperçu que c'est pas à cause de la nostalgie si j'ai gardé une belle image de toi. C'est parce que t'étais une fille épatante, puis tu vas toujours rester une fille épatante. Merci. Eve? Hein? C'était pas dans ce bout-là qu'on... On se frenchait. Non! Bien dormi, pas? Non. Ah, ben, vas-y. Non. Vas-y. Ben, c'est parce que j'ai quelque chose d'important à te demander, Denis. Moi aussi, j'ai une grande demande à te faire. Mais, commence. Ben, ce sera pas facile. Je sais. Tu sais, les derniers jours, je te regardais me fuir, puis je comprenais pas. Mais ça a fini par devenir plus clair. Là, maintenant, je sais qu'il faut faire la part des choses entre la nostalgie puis la réalité, même si ça veut dire faire le deuil de notre jeunesse. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, c'est peut-être mieux de laisser à l'autre l'image qu'il a gardée de nous plutôt que de le décevoir avec ce qu'on est devenu au bout de 23 ans. Ah non, je suis pas déçue, Eve, hein, au contraire. Non, mais c'est parce que je parlais pas de toi. Je vais toujours garder des bons souvenirs de toi, Denis, mais tu sais, le passé, là, c'est le passé, puis je pense que faut pas le faire revivre. Puis même si je restais, Denis, là, ça va être quoi, nous deux, un gros trip pendant une semaine, un mois, un an? Après ça, je vais manquer d'air, tu sais, je fais de même. Fait que, il est mieux de faire un petit peu de peine de suite que beaucoup dans un an. Tu comprends? Oui, mais pourtant, cette nuit, quand on était ensemble, j'avais l'impression d'avoir encore 17 ans. Ben justement, moi aussi, j'avais l'impression que t'avais encore 17 ans. Gilbert, c'est moi, c'est ton ami Germain. Gilbert,
quelque chose qui me dit que t'es là, Gilbert. Gilbert! Pourquoi tu veux plus me parler, là? Je veux pas te faire de menaces, là. Mais côté recrutement, ça a l'air que Raël est pas mal moins fossé que Jéhovah. Gilbert! Voyons. Ève? Quoi? Il y a quelque chose d'important que j'aimerais que tu réalises. Quoi donc? Je tourne dans l'autre sens.